Clarisse, t'es fatiguée? Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, merci. Non mais dis-le. Si tu veux te reposer un peu, n'hésite pas. Non, mais vraiment, ça va. Là. Alors tu vas te bouger le cul, bordel. Ça fait 10 minutes que les plats de la douce sont prêts. T'as toujours pas encaissé la 8, ça fait 20 minutes qu'ils ont fini. Mais c'est pas ma faute. C'est toi, glandeuse! Bah, t'en branles pas une en plus, tu la ramènes? Arrête de me les gaver avec du pain, putain! Tu sais combien elle me coûte la baguette? Hein? Je suis pas boulanger, moi, merde! Mais c'est parce que, en fait, on... Ça va! Écoute, si ça continue, c'est la porte et la NPE. C'est clair? Allez, file! Feignasse, va! Ah! Bonjour, je vous écoute. Il est bon votre poulet fermier? Dégueu, comme tout le reste de la carte. Ah, eh ben, je vais prendre un poulet. Un peu de vinasse pour l'avec? Parfait. Vous le servez en pichet ou... Oui. Bon, pas d'entrée alors? Non, ça va aller, merci. S'il vous plaît? Oui. Voilà, ça va paraître un peu étrange, hein, mais... Voilà. Je m'appelle Antoine Lafont. J'ai eu 31 ans, ce mois-ci. Je suis sculpteur et... J'habite pas très loin d'ici, à deux rues. Quand vous prenez le boulevard... Excusez-moi, mais j'ai pas trop le temps, là. Je vous aime. Hein? Je vous aime. Vraiment. Je... Enfin... On se connaît? Bon, allez. S'il vous plaît. Écoutez-moi. C'est pas évident. Voilà, je suis jamais tombé amoureux. Enfin, je veux dire, j'ai eu des histoires de cœur, évidemment, comme tout le monde. Je vais pas mentir, mais... Mais... Le coup de foudre... J'ai jamais eu. J'ai pas encore eu de nuit d'insomnie à cause de quelqu'un. J'ai jamais attendu toute une journée le coup de fine. Vous savez, celui qu'on attend et puis qui arrive jamais. Et rien que l'idée de partir en vacances avec une fille et qu'elle commence à me raconter sa vie et ses soucis, ça m'a toujours profondément ennuyé. Mais bon, voilà. Il y a 3 semaines, je suis venu ici pour prendre un café. Il devait être 4 heures et demie, enfin... Bref. Et je vous ai vu. Vous étiez là. Sublime. Tout droit sorti d'un rêve. Une rose parmi les roses, la plus éclatante. La plus ravissante. Vous aviez une jupe bleue et un chemisier blanc. Une jupe bleue? Oui. Et... J'ai senti quelque chose d'étrange. Une sensation nouvelle. C'était comme si je vous avais toujours attendu sans le savoir. Je sais, hein, je sais que c'est dingue, mais... J'ai envie de vous aimer. De vous respecter. De vous protéger. De vous prendre dans les bras. J'ai envie de vous couvrir de tendresse. Et de vous amener dans mes rêves, même les plus secrets. En fait, j'ai envie que vous soyez heureuse.
vous voyez? Avec moi, vous vous sentirez femme. Je serai toujours à vos côtés. Enfin, évidemment, si vous m'acceptez. Alors voilà. Dans ma poche, j'ai 2 billets d'avion pour les Galapagos. Je sais, c'est un peu étrange, les Galapagos. Mais quand j'avais 10 ans, j'adorais les cités d'or. Et je me suis toujours dit que c'était là que je voulais partir avec la femme de ma vie. Et la femme de ma vie, c'est vous. Alors voilà, vous avez 2 solutions. Petit A, vous partez vers l'inconnu, avec un inconnu qui est peut-être un psychopathe sorti tout droit d'un hôpital, mais bon. Qui pourrait être aussi bien l'homme de votre vie et vous combler de bonheur jusqu'à la fin de vos jours. Ou, petit B, vous me laissez partir. Le cœur éparpillé, entraînant lamentablement les pieds. Et vous êtes sûr de votre choix. Que vous avez la vie que vous imaginiez. Et que rien ne peut venir perturber le rêve dans lequel vous vivez. Je reviens. 2 secondes. Tu vas pas passer ton temps à raconter ta vie aux clients, hein? Glandeuse! Eh ben la glandeuse, elle se barre! La porte, je la prends toute seule! Compte plus sur moi pour amener tes surgelés aux clients! Fais gaffe, Clarisse, fais gaffe! Ouais, fais gaffe! Ouh là là, mais tu crois que tu me fais peur? Mais t'es qu'un minable. Un pauvre mec, t'entends? Mais tu croyais quoi, là? J'allais passer ma vie dans ton resto de merde et finir comme toi? Mais t'hallucines. Je me casse au Galapagos, mon vieux. Et toi, tu restes là, à pourrir dans ton trou minable et à regarder tomber tes cheveux. Prête à mettre les voiles, à partir vers l'inconnu avec mon inconnu. Sandek? Oh, c'est génial. Oh, j'y crois pas. Tu peux pas t'imaginer comme je suis heureux. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Oui. Bah oui, ça marche. Je t'explique. Je suis dingue d'une nana. Un truc de fou. Bah ouais, je sais, moi. Ouais. Enfin, non. Pas toi. Tu sais, je suis un peu timide. Je sais pas trop m'y prendre avec les femmes. Et la fleuriste, au coin de la rue, là, elle m'impressionne tellement. Alors je me suis dit que je devais faire un essai. Un entraînement, quoi. Et il y a 3 semaines, quand je suis venu ici, je t'ai vu et j'ai su que c'était toi. Tu lui ressembles tellement. En moins bien, évidemment. Mais même style, même allure. Mais... Alors, merci. Clarisse. Clarisse, voilà. Merci, Clarisse. T'es vraiment une fille bien. Mais, enfin, je veux dire, moi et mes Galapagos. Promis, je t'envoie une carte postale. Ça le fait, le voyage, non? Ben, ouais. Ouais. Bon, allez, faut que j'y aille.
restait ici à me regarder partir, le cœur éparpillé, entraînant lamentablement les pieds. Et vous êtes sûr de votre choix, que votre vie est telle que vous l'imaginez et que rien ne doit perturber le rêve dans lequel vous vivez. Parmi les roses, plus éclatante et la plus éblouissante. Dans la poche de ma veste, j'ai deux billets d'avion pour les Galapagos. Je sais, c'est bizarre, mais quand j'avais 10 ans, je regardais les cités d'or. Je me suis toujours dit que j'irais là-bas avec la femme de ma vie.